mobilisation internationale. Au Mali, le ministre de la Défense, Soumaïlou Boubey Maïga, a rendu sa démission ce mardi. Après l'échec de l'offensive lancée par l'armée malienne le 21 mai dernier, sa démission était demandée par la société civile malienne et la classe politique. Initiateur d'un vaste programme de réforme des forces armées du Mali, pour certains analystes, sa démission est la conséquence d'une incohérence de la gestion du pays. Par rapport à la situation réelle du Kidal, quels sont les éléments qui ont été envoyés? Pourquoi ils ont subi cette déroute-là? C'est autant de questions auxquelles on doit trouver réponse. Donc moi, je crois que c'est une démission qui ne fait que divertir le peuple malien. Ce n'est pas là la vraie question. Il y a eu un déni de gouvernance encore, malheureusement, qui vient s'ajouter à une série de scandales. Donc il est temps qu'on mette fin à ça, qu'on se concentre sur l'essentiel. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et actuel président de l'Union africaine a pu obtenir samedi la signature d'un accord de cessez-le-feu. Pour l'opinion nationale malienne, la solution reste la négociation. C'est un accord arraché aux forceps parce que l'armée malienne était dans une position inconfortable et que l'État n'avait pas d'autre choix que de faire appel. Le problème du Kidal, c'est un problème diplomatique et que le Mali doit être fort dans la diplomatie. À l'heure où nous sommes, militairement, nous ne sommes pas prêts pour faire face à ces groupes djihadistes. Le colonel à la retraite Bandao a été nommé au poste de ministre de la Défense. Militaire de carrière, le colonel Dao a été chef d'état-major de l'armée de l'air. Il aura la mission de continuer la réforme de l'armée malienne qui peine aujourd'hui à accomplir sa mission régalienne de défense de la nation.